Salut à tous les amis, ici Fantartilleur, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis dans le tank du Lennon. Salut Lennon. Bonsoir, je suis dans un tank violet. Et nous allons... Ah, je peux pas mettre de la musique classique dans le... Attends, ouais, c'est dans le tank. C'est ça. Et ce magasin nous appartient, mais on s'en fout, on rentre à la maison. On a rien à péter. Bienvenue à tous dans cet épisode 13 de Saints Row. Parce qu'on a aucun respect, on a rien à foutre, c'est la gratuité la plus totale. Et là, c'est chez nous. Là, si on peut rentrer. En fait, il y a du monde derrière nous que je suis en train de neutraliser au laser. Ouais, bah neutralise, ma quiche. Il n'y a aucun souci, regarde, poup, ça y est, c'est fini. Il faut juste qu'on rentre à la maison maintenant. C'est-à-dire qu'on passe la petite porte qui est juste à côté. C'est ce qui est extrêmement dangereux. Non, regarde, ça passe. Ça y est, c'est fait, c'est ouvert. Wouhou! On ouvre la porte et ça y est, regarde ça! Wouhou! Ah bah tiens, répondre au portable. Rien du tout. Pirate à sac à dos. Tout à fait. T'es complètement stylé en pirate, hein, Fanta. Hein. T'es absolument sublime. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ta garde-robe un petit peu? Alors, je vais me mettre relativement en mode beau gosse. Moi, je me suis mis en mode motard. Hein, sans aucune pitié, motard Lennon, mais pas motard Lennon genre méchant de Ken le survivant, mais motard Lennon parce que voilà. Alors. Langue d'armes, batte baseball, pistolet, tech Z, fusil à pompe bling. Hop, ouais, donc un petit peu de personnalisation. Toute la mitraillette, peut-être le Togo. Ouais, je vais peut-être prendre ça. Le lance-mollusque, je le garde parce qu'il est juste absolument formidable. Oh, le possesseur RC. Mais bon, je vais garder le drone létal parce qu'il n'y a aucun respect. Et la batte de baseball, excellent. Moi c'est bon, j'ai mes armes, j'ai mon costume pantalon Fanta. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? J'ai choisi de me fringuer pour commencer. On a prévu de délirer mon petit Bob, hein. Qu'est-ce fait, que tu hein. crois Tout on à fait, pas sans, pour, sans, pour, on n'est pas là pour rigoler, de hein, toute façon, là on est là, c'est sérieux ici. Nous avons des véhicules sérieux. Où est je cherche la bonne voiture. Aha. La Canada, voilà, on a des véhicules sérieux ici. Bon, je sais que je fais bon motard, mais petit motard parce que du coup j'ai une moto, une belle moto japonaise. Je pars de la musique classique. Voilà, vous entendez ça les enfants? Ici c'est sérieux, voilà. Hop, j'essaye d'avoir des fringues relativement classe parce que j'en ai marre. Je remettrai des trucs débiles, mais là c'est mode. J'ai gagné de l'argent, je suis content. Alors. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui, Fanta? Je propose qu'on achète quelques magasins. Combien d'argent tu as? Pas beaucoup de thunes, là. J'ai que 3000. Hein. Ah, et ben il y a un truc à 1000$ à aller acheter. Qui est juste à côté. Je sais pas si ça t'intéresse. Allez, voilà. Un truc à 1000$ à acheter. Après, je vous propose peut-être de faire une ou deux missions parce qu'on a quand même besoin de pognon, mon petit Fanta. Oui, tout à fait. Mais c'est la flûte enchantée. C'est vachement joli cette musique classique. C'est formidable. J'aime le Mozart. Tu sors, j'ai la moto. On est là, on est dehors, je t'attends. Hop, putain, si on n'en veut pas. Ok. Par contre, elle est voilà. Boostée à fond. Hein. Oula, elle est partie toute seule. J'ai activé le nitro, je voulais faire un. Putain, c'est un piège en fait, t'as toujours envie de mettre un super truc. Bon, bagne-toi, parce que là, c'est la flûte enchantée depuis tout à l'heure. Les gamins, ils vont devenir fous. Alors attends. Voilà, écoute, ça va être. Oh merde. Non. Fanta Geek. Continue, je te rejoins. Je te rejoins avec une bagnole. Y'a pas de problème. Ouais, mais il faut qu'on achète un truc. Putain! Comment je la valide cette putain de lunette? Bon, c'est pas grave, chers amis, mais en tout cas, je vais progresser. Ouh, cette voilà. Moto est sympa, cette moto. Sentez cette maniabilité. Elle est délicieuse. Des véhicules du SWAT? Déjà? Non, je sais pas, mais y'a un barrage là en fait. Notre garage, il est accessible? Ah oui, il est juste là. Il est complètement accessible. D'ailleurs, j'ai très envie de voler un véhicule du SWAT. Bon, toujours est-il que j'achète ce... Ma petite bagnole, complètement discretos, et je rejoins le Lennon. Hop. Eh ben, y a pas besoin de me rejoindre, Fanta, je vais mettre un point sur la map, et on va s'y rejoindre, et pourquoi on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les points, ça ne fonctionne pas, tiens, monte là. Bah tiens, je suis là. Oh, elle est sublime, cette caisse, Fanta! Trop du flex, on se casse! On se casse, l'important, c'est pas où, l'important, c'est loin, l'important, c'est vite. Ok, bon, tout droit. J'aurais voulu te montrer ma petite tenue de geek branché. Après, juste après, Fanta, roule. Complètement discret, complètement swag.
Complètement fantasme. Alors, on va s'arrêter dans ce magasin. Ah, j'ai besoin. On va s'arrêter dans ce magasin, fantasme. J'ai besoin d'acheter des munitions. Déjà, il nous appartient, donc du coup, on va pouvoir lâcher toutes. Ah, tous les ennemis. Voilà, tous les flics qui nous poursuivent. Ouh. Surtout qu'en plus, il y a le soir. Oh, 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 le petit haut. Il est là, il est présent. C'est Mamie Fanta. Ah. Oh, t'es sublime. Oh, arrête, t'es sublime en retraité. Je suis complètement à la mode, tout va bien. Je sais, mais je me fous de ta gueule, ça va. Regarde les petites lunettes qui vont bien, on dirait Cyprien sur les cheveux. Narmol. Exactement. Alors attends, je vais quand même améliorer des armes tant que je peux. Plus qu'en plus. Donc voilà. 9 500 $, je vois ce que je peux acheter comme amélioration. 7 000, points rouges, chargeurs et dégâts. Non, non, c'est pas vraiment très top ça. Celui-là, est-ce que je peux l'augmenter? Musique. Country. C'est vachement joli. C'est très doux, je trouve. Très redneck, mais très doux. Je peux pas améliorer le poupi. C'est pas redneck, c'est country. Oui, pourquoi pas. Ah. C'est quoi ça? Ah oui! Alors attends, accéder à l'arme de l'habitation. On a accès au possesseur. Oui, par contre, ça ne marche pas sur le véhicule militaire. Faut atteindre le niveau 4. Par contre, une fois que ça marche sur les véhicules militaires, c'est la fête du slip. Et tu peux viser n'importe quelle bagnole et le commander? Mieux que ça, tu peux viser un hélicoptère. Et il y a même une astuce que je peux que je pourrais te donner. Oh, une moto! Si jamais tu le possèdes. Une moto fantôme, Bob, regarde, elle fait roue arrière. Attends une seconde. J'achète des munitions, j'achète des flingues de meilleur niveau. C'est quoi les flingues niveau au-dessus? Oh merde, j'ai plus. Ah putain, c'est ta moto! C'est ta moto, je l'ai perdue, elle est partie toute seule! Non, t'as activé la nitro et elle est partie? Ouais, attends, viens. Viens dans ma cage. Non, c'est pas très grave, Fanta. C'est trop comique, t'es trop comique. Comment ça? Viens, va chercher ta moto! Elle est là, viens, pas l'idiot. J'arrive. Vas-y, roule! Parce qu'en fait, j'ai perdu le contrôle. Roule. Ah, d'accord. Ouais, du surf! C'est du vrai surf véhicule, hein. Hell yeah! Ça t'a plu alors? Ouais, carrément. Elle est là, ma moto, je te remercie. Très bien. Alors, voyons voir pour la prochaine mission qu'on va faire, chers amis, parce que là, on fait de la merde depuis tout à l'heure. Opération. Alors, dans l'ordre, Fanta, une opération gang, pourquoi je peux pas activer le GPS? Voilà, merci. Opération gang, c'est toujours bon. Ouais, c'est toujours bon. Alors, rapide, efficace, du respect, de la durée. Par là. Je te suis, j'attends pour le burn-out. Ma moto qui est partie en sucette. Non, c'est bon, c'est tout droit. C'est moi qui sais pas conduire. Je te jure, en fait, j'ai fait un burn-out, puis j'ai activé la nitro et elle est partie, mais... Ok, go. Voilà, ça y est. Faut bien être en ligne droite, en fait, pour que ça marche. On prend le pont. Oh putain. Ah, je me fais mal au cerveau. On prend le pont. C'est dangereux, je te casse. Projette en train de prendre. Trop de vitesse, cette moto. Elle est sympa. Hein. Donc il faut savoir, on a fait un petit peu de personnalisation. Moi j'ai tuné qu'une seule bagnole, Bob a eu le temps de faire plus. J'ai eu le temps d'en tuner plein, hein, j'ai eu le temps de... Fringues surtout. Ouais, c'est ça. Fanta, c'est surtout acheter des vêtements, chers amis, parce que vous étiez là, ouais, Fanta il s'habille pas souvent. Et bah du coup on s'est dit, bah pourquoi pas, on va faire habiller Fanta un peu. Et du coup il voilà. Vous a préparé quelques petites surprises. Hop, c'est bon ça. Bien joué, Bob. Je pensais que ça passerait, tant pis. Je suis descendu du pont, hein, en fait. Ah ouais, j'ai vu. Là, ça y est, on y est. Nous y sommes. Cependant, je ne les vois pas. Où sont-ils? Où sont-ils, chers amis? Je sais pas où ils sont. Bah alors, elles sont où les racailles? Y a pas de racailles par là. Elles sont où les Kaira? Pourtant, y en a une. J'ai pas rêvé. Oh, putain, je sais. Tu viens de nez. C'est grâce à toi que je sais. J'ai compris que racaille et Kaira, c'était le même mot, putain. D'accord. Le gars, il atterrit, quoi. Au bout de 10 ans, quoi, c'est formidable. Attends, j'ai récupéré un peu d'argent, encore une fois, merci le blanchissement. Tu peux rester ici ou m'accompagner si tu veux, mais à la rigueur, si tu restes ici, c'est mieux. C'est mieux parce que je reviens tout de suite. Non, fais la course, je m'en fous. Ma moto est plus rapide, cherche pas.
Elle est boostée à fond, il y a la nitro. Ah ouais, là il y a aucune chance. Ah ouais. Oh merde, putain. J'ai entendu le crunch derrière. Ok. On monte donc dans le bâtiment. Oh, écoutez-moi cette musique. C'est tellement pimp. Donc on monte à l'étage, on va prendre à l'héliport directement, chers humains, parce que là on a rien fait la Fanta, à part s'enfuir non, et non, le non. bordel. Ça me donne envie de jouer au jeu du tapas de couilles, mais Non, on prend le... Prends un VTOL. C'est parti. Oh, viens, je te rejoins. Il faut que tu passes par l'avance, sinon ça... ça... La reconnaissance automatique est bizarre là-dessus. C'est bon. J'adore cet avion. Ouais. Alors, oui. Ça passe hein, pour l'instant. Tout à fait. I am complete. Fuck. Alors attends, bougez pas. Je coupe la musique et on va se concentrer 5 secondes. Parce que j'ai besoin qu'on décarille les fumiers qui sont en bas. Ils sont forcément sur le toit, Fanta. Ils peuvent pas être ailleurs. Ah, tu... d'accord, je comprends. Logiquement, c'est moi, toi. Mais moi, je les ai pas sur mon GPS, hein, donc on a dû les faire. Oh non, non, moi je les ai. Les... Ah là, ils sont là. Oui. Attends, on s'approche, tire pas. Tire pas, tire pas. Ah, d'accord. Ça y est, tire. Bravo, bravo. Au laser, au laser. Oh, ouais, bah... c'est pas mal comme ça. Ouais, bah comme ça, ça, ça marche aussi. Alors il y a toujours, la fraude à l'assurance difficile à faire, mais on a malheureusement pas le level. Par contre, il y a un professeur Genki difficile, je sais pas si ça te... Ah, ouais, oh shit, Fanta, tire. Ah, je le vise. Bien joué. Dis donc, tu peux faire des concours de conduite extrême, hein. Ouais, 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 facile, regarde. Est-ce que tu peux monter le maximum dans le ciel et on joue au jeu de tapas de couilles? Ah ouais, dans ce cas-là, il va falloir qu'on se mette en mode stationnaire. Mais dans ce cas-là, on va se mettre juste au-dessus du truc qu'on veut aller. Ah, tu vois, regarde le bâtiment qu'on a capturé, Fanta. Ouais, on a bien fait le capturer. Alors très bien pour, pour les problèmes d'hypercompensation. Ouais. Je me demande ce qu'il y a au toit. Sur le toit, en fait. Bah écoute, on y va. Ouais, c'est... Ça va être parfait pour jouer au jeu de la patrouille. Attends, je regarde, il y a un hélipad. Un hélipad. Il y a un hélicoptère qui nous poursuit, je sais pas où il est, mais il y est. Non, il y était plus. Bon, ok, ils ont arrêté de nous poursuivre. Attends une seconde, avant de jouer au patapatouille, je vérifie juste notre destination, par où on va et. Ouais, easy peasy, de là on l'atteint. De la reprise. De là on l'atteint. Attends, je vais juste poser l'avion proprement. Non. Des feux d'artifice. Non, c'est notre véhicule. Voilà. Wait. Presque mort. Alors on joue de quel côté? Fanta! Putain! Je suis presque mort moi. Faut que je me cache. Non, je le tiens. Je le tiens, il a aucune chance. Voilà! Motherfucker! Ah, j'avais le RC moi. Mais c'est pas grave. Alors attends. Là du coup, on descend. Aïe. Ça fait mal. Et là du coup on va se mettre au bord du bâtiment. Quel bord? Ce bord là. D'accord, j'arrive. Sans sauter hein, tu peux y aller juste en marchant tout doucement. Ah tiens, l'hélico qui arrive pour nous faire la peau. Non. Il nous fait rien du tout la peau, Fanta. Attends, c'est bon, je l'ai pris le contrôle. Allez. Attends. Viens, n'y touche plus, bouge plus, stationne-le. Ouais d'accord. Stationnez-le, voilà. Bouge pas, il est où l'avion? Il est où l'hélicoptère? Je vois plus. Ah si, c'est bon. Stationnaire, Fanta. Boum. Alors, ça c'est de la coop. Merci. Alors, eh bien, ça c'est réglé. Voilà, viens vers là. Donc, au jeu de t'en as pas, et moi j'en ai. Je vais pas tomber. Ah non, je peux sauter sans tomber. Un petit saut. Ah oh, putain. Ok. On saute tout droit devant nous et il y a un professeur Genki, ok? Il n'appuie pas sur... Oh putain, il le fait. T'as pas de couilles. C'est toi qui a pas de couilles. T'as pas de couilles. Pas de couilles. T'as pas de couilles. T'as pas de couilles. T'as pas de couilles, t'as aucun respect.
T'as pas de couilles, Lennon. T'as pas de couilles, t'as aucun respect, je tombe plus vite que toi. Le principe, rien à foutre. Le principe, c'est d'ouvrir le parachute. Ah, j'ai craqué, j'ai fait ça au moins 2 étages avant l'atterrissage. Ah, yeah. Ah, bravo. T'as pas de couilles. Ah, j'ai pas de couilles, j'ai craqué. J'ai pas de couilles, j'ai craqué, je l'avoue. Bon, bref, ici, il y a... Je pensais que t'allais mourir, en fait, parce que j'étais pas allé jusqu'au bout, mais... Hop. Ici, il y a un professeur Genki. Oh, oui, j'aurais pu faire mieux, tu sais. Oh. Ça va. Je non, le sais. On peut le faire vraiment au ras du sol, quoi. Ah ouais, ouais, mais c'est dangereux parce que t'as vraiment la vitesse, t'as moyen de perdre beaucoup de points de vie, quand même. Professeur Genki, super éthical, fun time. Yeah, attention, c'est le difficile. Il va falloir qu'on fasse gaffe, hein. Ah bah écoute, t'as pris quoi comme flingue, les deux flingues? Ouais, on a les deux flingues, on a rien d'autre. Faut viser les têtes, hein. Ouais, je vois. Ok, faut pas perdre trop de temps. Bravo. Ethical! Pour l'instant, on les a déglingués. On win, on win. On fait aussi gaffe à nos barres de vie respectives, ok? Moi je suis à 75%, un peu plus. Attends, y'a un panneau. Ah, Ethical! On touche pas, c'est moche ça de même. Par contre, okay, là, je pense être un pompe. Je sais pas toi si c'est ton cas. Ok. Par contre, ma vie, moi, j'ai pris un peu là. J'ai vu. Ethical! Attention, Fanta. C'est vrai que ça régène pas donc. Alors on est tous les deux presque morts, il faut qu'on fasse très attention, Fanta. Si on voit un morceau de vie... Un peu de health, ouais. De heal. Bah mais on est en mode difficile, on n'en trouvera pas avant... Hop. Oh là là, je sais pas. Elf, il y en a, prends-le. Où ça? En face de toi. Ah c'est sympa. Merci. Attends. Vas-y, avance. Tu peux les faire ou pas? Ouais, continue. Non. Avance. Et... Money shot. Je prends. Je reste en arrière. Hop, j'essaie de pas m'exposer. Ah merde. One thing I can always trust on, your gullibility, Zap. Ethical. That's how it's done. Oh putain. Non, tu meurs pas, tu meurs pas. J'aurais pas dû. Fais juste gaffe. Oh putain. Mais attention, tu vois tous tes effets. Il y a le gros. Là, il y a de la vie. Putain, j'ai eu un je fais toucher. Tout va bien, je n'ai rien, il m'a pas fait de mal. Ah ouais, j'essaye. Wish we had instant replay on that. Oh putain, à chaque fois je me trompe de bouton et je suis presque mort du coup. Bien. Boum, dans sa gueule. Oh merde, il m'a eu. Ah dommage. Comment ça il t'a eu? Non, je suis mort en le chiffon quoi. Ah merde, complètement désolé. On va essayer une deuxième fois, ce coup-ci. Prudence Fanta. Il faut qu'on avance, mais qu'il faut vraiment qu'on ait de shot et qu'on fasse gaffe. Surtout fais gaffe au radar avec les points rouges. Et en fait, je pense que le gros, on va l'esquiver. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, on va essayer de. Il faut qu'on y arrive et prochain essai, on pourra pas. Il faudra enchaîner dans un autre épisode. Ouais, c'est... Ah merde. Allez, ça aura rien passé aujourd'hui, mais on aura avancé quand même. Couverture, Fanta. Ouais, je comprends, ouais. Ah putain, je suis en feu. Money shot. Could this be a record breaking performance? Mais okay. Oui, c'est un record breaking performance, on est trop fort. Mais attends, y'a de la vie là, Fanta, reviens. Dans la salle, quand tu reviendras dans la salle, sur ta gauche, y'a de la vie. Et moi j'en ai besoin? Oui, okay. Bah oui. T'es en train de crever. Voilà, tu l'as eu, merci. Attention. On avance prudemment, on utilise toutes les couvertures du monde. Ethical! Ok, bien joué. Maintenant que tout se passe bien, on progresse tout doucement. Enfin, t'as plus de vie, hein, je rappelle. Il va y avoir un autre. Je suis à la moitié, il faut juste que je me fasse pas électrocuter bêtement, quoi. Là, y'a un elf.
En face, derrière le feu et derrière le foudre. Merci. Bien joué, Fanta. J'attends. Attention, il y a le gros. Je sais pas si t'as des balles. Ça va pas être facile. Money shot. Oh putain, j'ai un fusil à pompe. Il est là pour nous. Il peut pas passer, il est bloqué. Ah super. Le problème, ça va être pour l'atteindre, pour lui mettre le Y dans la gueule, tu sais. Non, non, tu peux l'achever naturel, Vanilla. Tu peux l'achever naturellement. Tire, tire, tire. Tu niques juste sa mère. Voilà. Ok, attention, là, attention. Okay. Non, 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 il en a envoyé un autre. Il faut qu'on le bute. Il faut qu'on le bute, il se prend dans la foudre. Ok, d'accord. Ok, on le tient. Ok, attention, c'est bon, derrière toi, il y en a un autre. On se casse. Putain. On se casse. Ils en feront popper jusqu'à l'infini, je pense. J'aimerais bien. Mais il m'a foncé. Il y a de la vie. Là, il y a de la vie. Ouf, putain. Bon, voilà, bah, c'est dans le prochain épisode. Oh merde. Ah, dégoûté. C'est pas grave. Comment ça se fait qu'ils nous en ont mis 3 d'après toi? Parce qu'on l'a pas fini en Y. C'est pas ça. C'est juste qu'ils nous en mettront 3 parce qu'on est en mode difficile et que quoi qu'il a dit, ils nous en mettront toujours. Donc ce que je propose après, c'est qu'on cavale comme des enculés jusqu'à la fin de l'épreuve et puis adieu. Voilà, on l'évite carrément. Sans aucune forme de pitié. C'est pas grave. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, courage, on va le faire. On l'achève pas. Ouais, c'est possible. Allez, salut, à la prochaine.